Le songe de Saint Bruno, du peintre Eustache Le Sueur, 1616-1655, Musée du Louvre, Paris. Eustache Le Sueur ou Le Sueur, 1616-1655. D'abord élève de Simon Vouet, qui, sous Louis XIII, importa en France le style baroque italien. Il reprit ce style à son compte et participa ainsi avec brio à un classicisme français sans raideur et d'une grande noblesse. Son cycle sur la vie de Saint Bruno, qu'il peignit dans le cloître des Chartreux de Paris en 22 tableaux, fut acquis par Louis XVI en 1776. Transposée sur bois, cette œuvre a été maintenue au Louvre où elle a été récemment restaurée. Eustache Le Sueur fut parfois surnommé le Raphaël français. À présent, un trésor à contempler. Voici du bleu, du blanc, du blond. Voici un pavement, une estrade de bois. Voici des livres fermés, qu'on lut avant de s'endormir, une lampe au reflet et contours précieux. Des sandales aux lanières vivantes. Voici un lit aux pieds savamment tournés. Voici dans la splendeur bleue du baldaquin à courtine, de la couverture ample du lit, de la robe qu'il porte, un homme endormi. Il veillait tout à l'heure, après s'être déchaussé. Il lisait ses livres, à présent refermé, éloquent, nourricier de la divine parole. La lampe l'éclairait. L'éclaire à présent, dans son sommeil paisible, la même parole, mais silencieuse. La même lumière, mais intime. Dort-il? Non pas. Il songe. Son corps est en repos, son esprit et son cœur veillent. Il voit ce que ses yeux corporels ne voient plus, et ce qu'il voit, ses yeux spirituels nous le font voir à nous aussi. De l'océan des bleus que déchire le sourire de l'écume blanche du drap, il contemple et nous donne à contempler. Trois présences qui n'en font qu'une. Trois anges blonds et blancs venus du ciel. Trois anges comme ceux-là qui, aux chaînes de Mambré, apparurent à Abraham et l'invitèrent à poursuivre sa mission. L'esprit et le cœur de Bruno endormi veillent en présence des anges, en présence de Dieu, du Dieu unique en la figure des trois. À accueillir cette présence, il nous invite. À entrer dans son intimité spirituelle, il invite nos yeux corporels. En ce songe, en cet éveil, Bruno apprend des anges et par les anges. Apprend de Dieu qu'il doit s'en aller voir Saint Hugues, l'évêque de Grenoble, qui l'instruira sur sa mission. Celle-ci sera de fonder la Grande Chartreuse. Et nous, contemplant l'azur, cet océan d'azur et de ciel, le songe d'un saint,
la présence de Dieu en ses anges, mais aussi les sandales du pèlerin. Quelle mission, unique pour chacun. Nous découvririons-nous? Dans l'universelle communion des pèlerins, à quel pèlerinage singulier chacun de nous sera-t-il convié? C'était un trésor à contempler du directeur honoraire de l'école du Louvre, Ancien Dominique Ponot.